si je leur fais rédiger un petit article simplement pour la classe, il n'y a pas du tout le même enjeu que lorsque je vais publier sur un site internet, on arrive sur le web, ça peut être lu par les camarades du lycée qui n'ont pas partagé ce moment, cette sortie, cette rencontre. Ça suppose évidemment une écriture journalistique qui est beaucoup plus affinée, qui n'est plus scolaire. On est dans une autre forme d'écriture. C'est une compétence du 21e siècle que les élèves doivent acquérir. Comme les microblogging par exemple, on peut animer des débats. Si on prend un thème d'éducation civique de loi en classe de seconde, les élèves ont travaillé au préalable sur des propositions. Par exemple, loi sur l'encadrement des salaires, certains précisent qu'ils sont en direct de l'Assemblée nationale. Tout ça se retrouve en fait disponible en classe et en direct pour des gens de l'extérieur qui suivraient ce fil de conversation. Il y a un enjeu en fait, ce n'est pas qu'à l'intérieur de la classe, c'est diffusé dans le monde entier. La Twictée, c'est une dictée qui est partagée entre plusieurs enseignants qui peuvent être partout en France. Les élèves vont écrire la dictée individuellement. En groupe, ils vont échanger sur cette dictée, sur l'orthographe, de façon à en produire une seule. Et ensuite, elle est envoyée à une autre classe. Et cette autre classe va la corriger et proposer des outils de correction. Renvoyée ensuite à la classe, qui corrigera sa propre dictée. C'est un travail qui pourrait être fait sans le tweet. On ne peut plus faire sans. On ne peut pas vivre à côté de toute l'évolution de cette société. Le numérique, pour moi, c'est avant tout un outil de proximité qui nous permet de nous rapprocher. Je développe à l'heure actuelle, sur le premier degré, les espaces numériques de travail au sein des écoles, mais pour aussi communiquer vers l'extérieur et les familles. On a souvent tendance à travailler de chez nous à des heures qui ne correspondent plus vraiment aux horaires de bureau classiques. Il va donc falloir, pour les familles et les enseignants, trouver des temps où ces échanges seront possibles. Alors l'ENT sera certainement un des outils qui permettra ce rapprochement. J'utilise depuis plusieurs années eTwinning, une plateforme pour mettre en contact des professeurs de tous les pays européens. Les élèves vont pouvoir s'inscrire et communiquer avec des chats, des forums ou la messagerie. Ils vont pouvoir mettre en pratique, concrétiser leurs apprentissages de façon très directe, immédiate, parce qu'ils vont aussi avoir instantanément ou quasi instantanément la réponse des réponses des camarades étrangers. C'est un enseignement qui est centré autour de l'élève. L'élève ne va plus faire ses devoirs à la maison comme avant. Il va consulter les ressources et il arrivera en classe avec déjà un certain nombre de connaissances. En classe, ça va nous dégager du temps pour se consacrer soit à des projets d'application, des activités ou des discussions. La plateforme casse les barrières de l'espace et quelque part un peu du temps. Les élèves sont capables de travailler pourquoi pas à minuit si c'est leur rythme. Moi j'ai accès aux résultats de leurs tests, je peux leur répondre en ligne alors que je ne suis pas au sein du lycée. Ils ont l'impression d'avoir une présence beaucoup plus importante en fait que nos limites d'heures de cours. Sur la même page Google, on va avoir 37 définitions différentes. Ça ne vaudra jamais un bon professeur qui explique, même si le professeur il a aussi sa subjectivité, ses propres conceptions, mais ça peut aider parce que c'est pas possible d'être 24 heures sur 24 avec notre professeur et de discuter avec lui et d'échanger. Donc c'est vrai que oui, c'est un bon complément. Après, je pense pas que ça remplace non plus. Chaque cours, on peut alterner des séquences vidéo, des petites animations, les cours classiques sous forme de diaporama. Les cours, les élèves n'ont même plus besoin forcément de les prendre en note puisqu'après, je les mets disponibles en ligne et donc ils y ont accès chez eux tranquillement. Et puis on leur demande aussi, en certaines matières, de nous préparer une petite présentation qui sera notée, qui fera partie de leur évaluation en utilisant les outils numériques dont ils disposent. Le numérique m'a des fois permis de connaître davantage leur personnalité parce qu'ils utilisent les outils numériques des fois de manière trop privée. Quand on est capable de communiquer avec ses élèves ou avec ses collègues par l'intermédiaire de courriels, par l'intermédiaire de tableaux collaboratifs, on gagne en efficacité. Les sciences cognitives apportent des connaissances sur les mécanismes de la compréhension. Tous les cerveaux fonctionnent à l'identique, mais sont tous différents quant à leur stock de mémoire et au rythme et à l'acquisition des éléments en mémoire. Donc si on veut relever le défi de la différenciation, nous devrons utiliser des outils adaptés aux pratiques de la classe. Les élèves travaillent par eux-mêmes en autonomie, on leur a donné des consignes de travail, un travail qui peut être personnel où on se voit avec un temps retard et on peut se corriger. En général, on a du mal à croire quelqu'un d'autre qui dit « mais non, là c'est pas correct ». Quand on se voit soi-même et que c'est cadré et fixé par une vidéo, à ce moment-là, on ne peut plus dire « non, c'était pas comme ça ». Ça me permet d'échanger avec des personnes que j'aurais
jamais rencontrés. Pour eux, le fait d'être filmés, c'est un moment important. Ils sont un petit peu sous tension et quand ils sont filmés, ils savent que là, il faut être capable de bien formuler ses questions. Nous savons articuler finement des facteurs techniques, pédagogiques, administratifs, matériels et psychologiques. Et cette articulation montre que nous sommes aptes à nous ouvrir à l'universel. Avoir un projet numérique, c'est très bien, c'est porteur, ça donne beaucoup de motivation à nos jeunes. Simplement, il faut être sûr qu'avant, on a le débit nécessaire pour une connexion, le matériel avec les bons logiciels, des personnes ressources au sein des établissements qui sont à même de mettre en place de tels projets. Au départ, on ne connaît pas les logiciels, on ne connaît pas la procédure, on ne connaît pas les méthodes, donc il faut comprendre tout ça. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le logiciel, comment fonctionne une plateforme, c'est magique parce que tout le temps qu'on a perdu avant, eh bien d'un seul coup, on va le récupérer. Une fois qu'on s'est habitué à un outil et que l'outil ne marche pas, ça laisse les gens orphelins, pour ne pas dire en rage, sur bien des choses, car effectivement, quand les habitudes se prennent, ce manque est patent et très fort. Du coup, dès qu'un petit grain de sable coince un peu la machine informatique ou les outils, c'est effectivement le système qui est en cause et non pas l'outil. Ça exige le 100% d'efficacité. La grosse difficulté que nous avons sur les services d'intendance, c'est de pouvoir répondre à ces demandes qui sollicitent une compétence technique que nous n'avons pas forcément. Et la première difficulté que nous rencontrons en établissement, c'est surtout la connexion Internet. Nous avons les équipements, mais nous n'avons pas derrière le débit suffisant pour répondre à cette demande. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, le fait de passer par le papier, c'est finalement quelque chose d'assez artificiel dans la mesure où aujourd'hui, les données de type fiche technique, ce sont des données qui sont d'abord disponibles sous forme numérique, donc qui vont nécessiter d'avoir un accès à Internet directement au laboratoire. Je suis chef d'établissement, je ne suis pas un expert du numérique. La stratégie que j'ai développée, élaboration en commun d'un projet qui fasse consensus, donner les moyens de faire et accompagner les personnels, c'est un triptyque qui est toujours le même.